Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un livre, un livre de la collection En Action des éditions Bussière. C'est toute une collection de petits livres qui sont assez petits, comme un peu au format poche, et qui sont vraiment, vraiment géniaux. Et ils sont à des tout petits prix, regardez, 12 euros. Voilà, ici j'ai décidé de vous présenter celui sur les cristaux de Laurence Pellegrini. Ou Pellegrini, je ne sais pas comment on dit. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Lumineux cadeau du monde minéral à l'humain, le cristal vient s'offrir comme un compagnon fidèle à ceux qui ont envie d'avancer sur les chemins du développement personnel et spirituel. S'adressant à tous, aux débutants comme aux personnes initiées, les cristaux en action permettent d'apprendre à utiliser ces minéraux au quotidien, comment les choisir, les purifier, les programmer, les charger en énergie. Vous y découvrirez les liens qui unissent cristaux, chakras et couleurs, saurez quelles sont les quatre sortes de cristaux les plus utiles à avoir sous la main, apprendrez à établir un lien privilégié avec un cristal, à rééquilibrer vos énergies, à vous en servir pour méditer, vous purifier, vous libérer d'un problème spécifique et tant d'autres exercices qui feront de vous un praticien du cristal accompli. La collection En Action vous invite à aborder tous les domaines de l'ésotérisme de manière active afin d'allier connaissances théoriques, entraînement et mise en pratique. Voilà, voilà. Donc moi, c'est une collection que j'aime beaucoup. J'en ai quatre à vous présenter et j'ai décidé de commencer par celui-ci d'abord. On va le découvrir ensemble. Du coup, en plus, ils sont tous en couleur. Voilà, on a une introduction. Voilà, la première leçon, c'est trouver son cristal. Et moi, je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. Voilà, dans la nature, par exemple. Ensuite, comment purifier son cristal. Et vous voyez, il y a à chaque fois des couleurs pour les leçons. Je trouve ça chouette aussi. Je vais essayer de mettre à plat, ce sera plus simple. Voilà, là, on vous explique les étapes pour purifier son cristal. Comment le charger aussi. Les bains de soleil, les bains de lune. Ensuite, comment programmer son cristal. Ça, je trouve ça génial aussi. La programmation, voilà. Par exemple, pour le développement spirituel, pour la guérison et le bien-être. Pour un sommeil paisible. Je trouve ça vraiment chouette. Il y en a plusieurs. Pour l'énergie et l'action, pour prendre soin de ses animaux. Regardez, c'est un petit chat. C'est trop mignon. Ils sont vraiment bien faits. Programmation express par le souffle. Ouais. Cas d'un cristal déjà programmé. Ben comment faire aussi pour le déprogrammer? Focus. Découvrir les souvenirs d'un cristal. Les rêves. Programmation pour décrypter les rêves. Ça, c'est chouette aussi. La programmation, ben justement, pour faire un cristal de rêve. Son utilisation. Et la programmation de vos rêves. Ils sont vraiment bien faits. Cristaux et chakras maintenant. Et je trouve qu'ils sont allez bien. Vraiment, il y a beaucoup d'infos dedans. Les sept principaux chakras. Voilà. En plus, on a de la couleur pour chaque. Hein. Voilà. Ici, on a l'emplacement de ces chakras. Comment ouvrir ces chakras. Protection indispensable de la boule de lumière, mise au point par rapport à la localisation des chakras, l'ouverture du chakra coronal, et c'est bien expliqué. Voilà, et bon, maintenant, le chakra frontal, etc., pour tous les chakras. Hein. Travaille sur le nœud d'énergie nerveuse, et les illustrations sont très belles aussi, je trouve. Ensuite, couleurs et chakras. Ça, c'est génial aussi. Le rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc., etc. Méditation avec une pierre de couleur. Méthode, plusieurs méthodes. J'adore les illustrations. En leçon numéro 6, 4 cristaux à avoir sous la main. Donc, il y a l'améthyste. Ça, je crois que tout le monde en a une à peu près. La topaz, ça, je n'en ai pas. La célestite. Je n'en ai pas non plus, je crois. Le quartz rose, bon, ça, je crois que tout le monde en a un aussi. C'est un des basiques qu'on achète en premier. Hein. Les pierres précieuses dans la tradition.
avec les jours de la semaine. Voilà, les propriétés spécifiques des pierres. Bon, là, on vous donne le, par exemple, le grenat, pierre de lune. Des exercices pratiques, apprenez à sentir un cristal. Rééquilibrage de l'énergie par le cristal. Massage cristallin par quartier. Exercice de transmission de pensée avec les cristaux. Favoriser la croissance des plantes. Exercice de purification. Exercice de l'œuf de lumière. Se libérer d'un problème spécifique avec 5 cristaux. Exercice des flammes d'énergie. Donc, il est vraiment super complet. Voilà. Exercice des boules de couleur pour améliorer son karma. Se préparer à la rencontre de ses vies antérieures. Tourbillon de cristal. La leçon numéro 9. Forme géométrique et cristal. Les cercles carrés. Méditer avec les formes géométriques. Voilà. Ensuite, en 10, le pendule de cristal. Votre code personnel. Pendule et diagnostic de santé. Ici, on a même une roue. Vous voyez ? Avec les différents organes. La recherche sur un plan. Ensuite, cristal et méditation. Découvrir les vibrations du son. Méditation cosmique. Méditation d'amour universel. Méditation pour aider une personne ou un animal. Méditation arc-en-ciel. Et à chaque fois, une petite bulle. La méditation à plusieurs. Méditation de groupe pour aider une personne. Ensuite, le voyage dans le monde des éléments. Le voyage dans l'élément terre. Puis dans l'élément eau, dans l'élément feu. Et puis évidemment dans l'élément terre, air. Voilà. Les grands exercices en leçon 13, la flamme de vie, le trône de la sagesse. Il y a vraiment plein d'exercices. Trouver sa place dans le monde avec les points cardinaux. Les guides spirituels, maintenant. Les lieux d'épanouissement de soi, le chemin vers les guides spirituels. Découvrir les guides spirituels. Regardez-moi ça comme c'est joli. Le monde des saisons. Donc le cristal et les saisons. Préparation au voyage dans le monde des saisons. Voyage dans le monde du printemps. Ça vous donne toute la marche à suivre. Dans le monde de l'été. Dans le monde de l'automne. Dans le monde de l'hiver. Ensuite, la dernière leçon, le praticien du cristal. Amour, compassion, soins et survie, problème de la boue et de sauvetage, confrontation avec la mort, exercice de méditation sur la mort, l'oubli du corps physique en exercice, au pied du mur de la mort, l'escargot, jeu de divination avec les cristaux. Voilà, la signification des cases de l'escargot. Ici, l'escargot, la signification des cases du cercle et une conclusion, quelques réflexions sur la spiritualité, la table des matières par le son, génial, la bibliographie et voilà, voilà, là il n'y a plus rien, non. Voilà, donc c'était le magnifique Les Christians en action, franchement pour le prix, 12 euros, j'allais dire 13, je ne savais plus. Franchement, il est vraiment rempli d'informations. Il est vraiment génial. En plus, par son format, il est petit, on l'emporte partout. Il est tout en couleur. Moi, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, dans cette collection, je les aime tous, franchement. Dites-moi en commentaire si vous en avez certains dans cette collection, si vous les aimez, voilà, si celui-ci vous intéresse, si vous l'avez. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo pour me soutenir.
ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.